plein. Ok, et donc là on va pouvoir déterminer. Donc on va juste garder la salle du. La salle ici. Alors, il va nous falloir. Donc d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va nous falloir 9 au nord. Neuf au nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en faut 6 au sud. Ok. 1, 4, 5, 6. 7, 8, il nous en faut 8 de chaque côté en fait. C'est ça, et il nous en faut 8 de chaque côté. Hop. Hop. Et il nous reste plus que la profondeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 et 11. Ouais, mais je crois que 10 ce sera suffisant. Hop. Voyons ce que ça donne. Bah, il me manquera un petit peu de hauteur, hein, évidemment, mais dans l'idée. Bon, on est bien là, on est bien là. Il nous manque un. Alors, je peux pas rentrer par le haut. Ça, c'est une règle qui m'échappe. Ok. Donc ici, on est bon. Donc éventuellement un de plus au sud. Il m'en manque un au sud. Ah. Alors, il m'en manque un au sud. Et au. Donc il m'en faut 1, 2, 3. Et il m'en faut 3 en up. Je suis à moins 2, 42. Lui, tiens. Ça a l'air de tenir. On va juste rajouter un ici. Ah, quel con! Oh, c'est pas vrai. Bon, on recommence. Alors, j'ai dit donc qu'il m'en fallait déjà. Donc 8 de chaque côté. J'ai dit qu'il me fallait 10 en bas, qu'il m'en fallait 3 de hauteur. Ensuite, qu'il me fallait de mémoire. Merde, il me faut combien pour le nord et le sud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en faut 9 de chaque. De mémoire, il me semble que c'est à peu près équivalent. Hop, 9 ici, 9 ici. Et bien sûr, il faut que je me mette vis-à-vis des points cardinaux. Ok. Mon avis, ça doit être bon, ça. Allez, hop, cube mode. Ok, ici on est bon. Ici on est bon. Ici il y en a
Visiblement de trop, il y en a deux de trop au sud. Ça va permettre de faire une économie. Trop au sud, nickel. Et si je vais en dessous. Ouais, c'est avec les nuages, ça pose problème avec les nuages. Un trop bas. Enfin, un trop haut, un trop haut. Il me faut un de plus en bas. En hauteur, on est bon. Il me faut un de plus en bas. Par contre, apparemment, on peut passer à travers. On peut passer. Les nuages font passer à travers le force field. Ça, c'est un peu con. Je vais le. Donc, je vais virer le nuage. Et par contre, ici aussi, résultat. Mais ici. Ouais, si, ça permet d'accéder par en dessous. Mais bon. Ah donc en fait les nuages c'est pas forcément une bonne idée pour le coup, mais bon. Ok. Non mais sinon ça a l'air de... Ouais. Pas avec la wrench, que je refasse pas la même connerie. Bon, et pour le moment bah, ça a l'air de tenir en fait. Donc ça veut dire que ce force field là a... Après quelques modifications, ben, je pourrais le laisser là, à la limite. Et puis, il est bien quoi, dans la base, il pose pas de soucis. Après, je peux fusionner les force fields. Hein. Voilà, et donc on a ici une zone assez, une zone un petit peu sécurisée. Ça veut dire que si jamais... Parce que le problème c'est que vous savez les portails dans Mistcraft, j'ai vu qu'il y avait des mobs qui arrivaient à les emprunter quand on était dans ces mondes-là. Donc parfois bah, ils se retrouvent ici. Ce qui pose problème. Bon, il y a un bloc de coupé, c'est parce que c'est des slabs ici. Hein. C'est pour ça que ça pose problème. Mais dès que... Mais sinon c'est tout quoi. Là, on est à 101K. Voilà. Bon, allez, hop, on a ça au moins. Faut juste virer les petites failles qu'il y a ici. Non, franchement c'est sinon c'est classe. Il reste plus qu'à mettre un autre allez admettons un autre ici. Ouais ici ça me paraît bien. Allez, hop. On le fait? Allez, on le fait ensemble. Ça nous en fera un deuxième. Vous aurez le temps de voir comme ça parfaitement la configuration. Alors, un projecteur. Un projecteur. Projector field. Non, hop, ça. Qu'est-ce qui me manque? Une aérobatterie. On va en garder une en stock au cas où. Des aérobatteries, j'en recrafter 64, on sait jamais, ça peut toujours servir. Alors. De toute façon, j'ai pratiquement tout sur moi. Il y a juste un truc. À la limite. Lui, il est sur le 0.
Ouais, bon, on va laisser sur le 0, et puis ben lui pareil, hein, il sera sur le 0 et puis c'est tout. J'espère que je vais pas faire de conneries, mais normalement c'est bon. Alors, il me faut encore un drum de forcicium, donc drum. Ouais, je dis forcicium parce que dans l'ancienne version des MFFS, c'était. Ça s'appelait comme ça s'appelait du forcicium. Mais ça n'existe plus sous ce nom-là. Alors, un tesseract. Hop, quoi, monsieur le Fortron qui va uniquement recevoir du fluide. Non, 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 c'est pas vrai. Bon, Fortron, tu valides et tu reçois uniquement. Voilà, tu reçois uniquement du Fortron. Hop. Bon, ben, drum. On verra ce qu'on en fait. Voilà. Comme ça, ici, on est bon. Alors, il nous faut. Donc déjà le positionner en point cardinaux et direction le nord. Le nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 au nord. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 12, ouais. Ouais, 12, allez, hop. Eh ben, j'ai plus de scale module. Si, j'en ai encore. Alors, scale module, donc j'ai dit 12 ici, hein. Ok, ensuite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, on va en avoir. C'est translation, ça. Non. Ici, on va avoir 9. Ici, on va en avoir 9. Ok. En up, alors on prend exactement les mêmes. Eh, galère. Problème. Eh ouais, il a fini par lâcher. Il a fini par lâcher. Ah. Ennuyeux cette affaire. Est-ce que c'était parce que le temps que lui il se remplisse, lui il n'a pas suivi? Est-ce que je n'en émettrais pas assez par hasard? On va y mettre davantage. Normalement, ça joue, hein, le nombre de pipes qui rentrent.
on va attendre qu'il se recharge lui. On va terminer la configuration de celui-là. Il me faut le cube. Ok. Allez, on va voir ce que lui il donne. J'ai pas le down, hein. J'ai pas mis de down, donc évidemment le down il est à combien? Oui, parce que j'avais dit que le up et le down, donc 3 et 11. Si on est pile poil au niveau de la porte. Ici, je suis sûr que je peux reculer d'un sans problème, sans que ça pose problème. Hop. Donc au sud. Je peux en supprimer un. Supprimer un que je peux rajouter ici, mais je peux rajouter au nord. Ah, 2,82, c'est ça consomme trop. Je peux pas diminuer la consommation. Apparemment je peux pas. Hein. Le speed, mais ça c'est pas. Il y a le capacity, mais c'est pas. Bon, ça il va me le falloir, le fusion module. Est-ce qu'il faut obligatoirement que je remette par exemple un Fortran capacitor, histoire de faire encore batterie batterie quoi, simplement. C'est pas impossible, hein. Bon, lui il a relâché. Il a lâché également. Bon. Si je lance les deux en même temps. Allez, hop. On va voir combien de temps ça tient au moins. J'avais pas rajouté un au nord ici. Voilà, comme ça au moins ils sont fusionnés quoi. Enfin, ils sont fusionnés. En fait, je vais pas avoir besoin du fusion. Hein. D'accord, ok, je peux pas.
Je peux pas poser de bloc à travers, enfin sur le force field. Ce qui est logique, remarque. Ok. Bon, donc ça a l'air de tenir. J'ai failli encore faire tomber mon machin. Ouais. Ici, ça a l'air de tenir. Ok. Et ici, il est au niveau de, il est au niveau de la porte, donc c'est nickel, hein, niveau taille. Ici, peut-être un de plus. Ouais, juste un de plus de chaque côté. En espérant que ça tienne, quoi. Mais dans l'idée, c'est cool, hein. Dans l'idée, c'est méga cool. Donc là, tout est à l'abri. Il n'y a que l'accès au sous-sol, en gros, quoi. Ah, génial, on peut avoir la vue sur... Ok. Bon, donc juste un de plus. Alors, je vais juste voir, c'est... Avec vous, est-ce que si on rajoute un Fortran Capacitor... Ce qui est pas impossible hein, comme truc, hein. On est d'accord, hein. C'est pas forcément idiot hein, comme idée. D'accord, j'ai dû casser un... Ouais, ok, ok, c'est un misclic. Bon. Alors, juste élargis-moi comme ceci. J'en profitais. Ah. Bon. Ok, donc ça ok. Et donc on va rajouter un Fortron. Va bien voir ce qu'il dit, hein. Donc peut-être que pendant que le Fortron se remplit, on devrait désactiver les force fields. Pour être sûr, au moins on va remplir les Fortron et puis on activera à la fin. Une fois que ce sera fait. Mais pour le moment, ça m'a l'air de correspondre. On va juste également... Ouais, ça remplit plus vite. C'est temporaire le tuyau là. Bon. Linking device. Ok. Donc apparemment là par contre ils sont trop loin pour être connectés l'un de l'autre. Hein. Les deux fréquences zéro là. Rien que ça semble être trop grand pour eux. Parce que sinon on devrait au moins avoir un laser qui passe quoi. Je suis sûr que si j'en mets un au milieu, ils peuvent se connecter entre eux. Qu'est-ce que je disais? Ouais, bon. Bah. Qu'est-ce que tu dis toi là? Tu te remplis pas plus vite. Hein. Allez, hop. Oh
On pourrait rajouter des Fortran Capacitor, voilà, au milieu de chaque truc, et puis comme ça au moins ils sont quand même connectés, et ça nous fait un laser quoi en fait. Bon, en tout cas j'ai protégé ouais bah ma base quoi. Enfin protégé. Contre personne, hein, c'est juste esthétique en fait. Hein. Enfin, c'est esthétique et ça va consommer un peu d'énergie et de Fortran. Le truc c'est que j'aimerais bien c'est au moins en avoir un de. Ouais. Au moins avoir un. Trouver la bonne formule en fait pour avoir un bouclier permanent quoi. C'est-à-dire ici c'est bon quoi, ça produit suffisamment. Après tout n'est question que d'émissions. Voilà parce qu'ici c'est plein, hein. C'est plein, c'est. Normalement le débit est bon quoi, je veux dire. Ok, ici je produis plus de scrap. C'est pas grave. Ça va toi de troller avec ta tête de creeper? Bon. C'en est où? Presque plein. D'où tu spawns toi? Allez, on est bon. Non, ça c'est le. Hop, lui il est presque bon aussi. Et une fois que les deux sont remplis, eh ben c'est bon. On va lancer le truc. Et normalement, hein, ça devrait être indéterminé. Hein. Ça devrait être largement suffisant. Ça va juste servir de batterie quoi. C'est pas non plus la folie hein. Pas l'idée du siècle. Hein. Bon allez, hop. Cube. Hey, laisse-moi passer. Et cube. D'ailleurs, truc étonnant, lui il est trop loin du. Ouais. Lui c'est bizarre, il est loin du biométrique identitaire et pourtant il trouve ma carte d'identité parce que je peux passer à travers le force field. Alors que normalement je suis pas censé pouvoir passer. Hein. Bon, on va voir si ça lâche. Ah zut, j'ai oublié de remplacer la dalle là. Mais bon, c'est pas trop grave. Waouh, ma base. Voilà. Ouais, oh, je sais pas. J'aurais bien envie quand même de le faire dépasser un petit peu encore le force field là parce qu'il. Ouais, ben ouais. Donc de 1 de là. Ici, il est correct.
Ben, il ne me reste plus que un là. Ouais, allez, hop. Juste pour le lol. Alors, non, c'est pas là, c'est là. Alors, il me faut plus de chaque côté et un plus au sud. On est à 3 kilolitres, hein. Le forticium il tient, mais je sais pas par quel miracle, hein. C'est grâce au Fortron. Il tient le choc, il tient le choc. Il tient le choc. Bon, lui, il est qu'à 2K, donc il devrait tenir davantage. Logiquement, il devrait tenir davantage. L'autre, c'est vrai que je suis en ennemi quand même plein à sa gueule. Hein. Lui, il s'en est quand même pris pas mal. Je comprends pas. Si je mets ça, normalement, il est censé... Non, pas ça, ça. Normalement, il est censé... Ouais, mais non, faut le mettre obligatoirement dans l'Interdiction Matrix, apparemment. Ok, il l'a détruit pour le remettre à cause de mon erreur. Bon, ça fait rien. Allez, hop. Juste agrandir ici, hop, histoire qu'on puisse se poser puis hop, rentrer. Ici je peux pas. Ok. Bah voilà, on est bien, on est dans notre base, tranquille. Ah, j'avais pas pensé à ça, dis donc. Ça, j'y avais pas pensé. comment je peux faire? Va encore falloir que je redécale d'un. Oh, ça me saoule. Non, faut que je mette un fusion. Faut que je les fusionne. Simplement. Voilà. Et ben, on aura fait le tour là en. Pour, ouais, enfin, je sais pas si ça va tenir sur un épisode, mais on aura vu les MFFS. Comme ça au moins. Hop, et puis de toute façon, je pense qu'on fera qu'un épisode là-dessus. Hein. Enfin, qu'un épisode. Je vais faire qu'un seul tournage dessus parce que. Pas que ça me saoule, hein, au contraire, je trouve ça vraiment cool. Mais Fusion. Fusion mon cul parce qu'il faut le mettre sur les deux. Voilà. Voilà la réalité de la chose. Bon, bah ça fait rien, heureusement que j'avais prévu le coup. Bah, pas folle, en fait. Laisse-moi passer. Ouais, hop. Je t'ai demandé de fusionner, ça veut dire que tu l'ouvres, non? Est-ce que je peux... Ah, dommage. Tu parles, il fusionne rien du tout, ouais. Je regarde un truc. Est. Pourquoi il marque Est là?
Bon, je sais pas. Alors que l'autre, il marquait ouest, je crois. North. Ok, d'accord. Ça doit être la position dans laquelle il se trouve normalement. Bon bah non, bah si vous fusionnez pas les gars, ben je vais juste augmenter donc un au nord. C'est ça, c'est un au nord que je vais rajouter ici, au sud. Yes. Et donc là, étant donné que je les ai décalés d'un, non, 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 je vais pas. Bon, ici résultat, bon bah c'est, ça passe comme ça, mais au moins, voilà, j'ai accès à mes énergies infuseurs pour ma power suite. Ça je l'envoie, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Jusqu'ici, je démolisse ce qui va pas. Non, mais sinon c'est la classe. Il n'y a pas à dire. C'est génial ce truc. Ok, par contre... Je peux économiser un petit peu là. Je peux diminuer de combien? D'un, hein? Oh, quoique non, parce que j'ai des câbles qui passent en dessous, donc... Ouais, non, en fait, c'est bien ici comme ça. Ouf! Bon, je passe un petit peu comme je veux, hein, mais bon. C'est juste, je vous dis, hein, c'est juste une histoire d'esthétique, je suis tout seul, donc, enfin, je joue en solo. Donc, évidemment, alors que si on jouait en multijoueur, je virerais les nuages pour vraiment que personne n'accède à ma base sans avoir les permissions. Ah. Pas sûr que ça ait été serré de sa spawn, en fait. Je pense pas que ça aurait été Sarah que ça spawn. Ouais, ok. Donc, évidemment, c'est évident que ça spawn, mais à mon avis, ça aurait été Sarah. Voilà, ça aurait été Sarah, ça a pas l'air de pouvoir spawner. Ça non spawnable, elle était Sarah. Bon, ici, c'est pas spawnable, c'est obligé. La classe à Dallas, comme on dit. Oui, je sais, plus personne dit ça. Hop. Bon, on va récupérer la power suite.
Bon bah écoutez, je vois ce qu'on va faire et puis bah de toute façon je pense qu'on va mettre l'interdiction matrix là-bas. Faut qu'on détermine. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bonne année. Car nous sommes au 1er janvier de mon serveur, visiblement. Donc voilà, 365e jour in-game de jeu. Vous multipliez ça par 20 et vous avez le nombre de minutes sur lequel je vais en jeu. Donc je modifierai de toute façon le programme pour avoir mon temps de jeu exact ici. Donc, donc je vais l'avoir en minutes, en heures de jeu et en jours, heures et minutes de jeu en fait. Voilà, en minutes totales, en heures et minutes et en jours et minutes IRL en fait. Je ferai ça. Donc en attendant, hors caméra, j'ai pas mal avancé. Mais... Alors parfois, mais quand je relance le jeu, mais... Faut que je surveille mes... Mes projos. Parce que parfois... Parce que le dernier coup, ils se sont... les drums apparemment ont merdé, ou les tesseracts, j'ai pas bien compris. Et ça... Et ça s'est vidé, donc j'ai cette partie-là du bouclier qui s'est désactivée. Je compte virer ces blocs-là, les redstone blocs, et en fait commander les fields par des computers pour pouvoir activer ou désactiver les force fields. Et puis voilà comme ça. C'est la classe. Bon, voilà, alors j'ai un petit peu avancé. Je vous disais. Je me suis refait un stock. Alors, je me suis fait en fait une. Donc, attendez, je vais commencer par le commencement. Tiens, j'ai oublié du verre ici. Je voulais me faire en fait un dôme en verre, puis finalement j'ai abandonné l'idée parce que ça m'a plus saoulé qu'autre chose. Tiens, hop. J'espère que j'ai pas cassé de. Non, je casse pas de dalle avec. Ok. Ouais, donc ça c'est un hammer qui me permet de casser beaucoup plus vite les choses. Alors, je me suis fait un... Ouais, Ah, ça y est, oui, je comprends pourquoi il m'éclate. Attendez, je modifie juste un truc dans le planteur. C'est qu'en fait ici, ça s'en sert pas. Il faut que je fasse... Ah oui, non. En fait, ouais, donc il faut que je fasse comme ça. Et comme ça. Voilà, et puis cela, il dégage. Ouais. J'agence juste un petit peu ça, et puis hop. Ouais, ça me paraît bien ça. Allez, hop. hop, et ça. Attendez, juste un truc, il me manque un truc, c'est un... hop. Je vais poser ça tant que j'y suis. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, coup de téléphone. Je voulais juste, c'était, hop, on va aller en bas, on va commencer par ça. Tadam. Donc, on a ici notre Interdiction Matrix qui fait 32 blocs de... Oui, c'est vrai que la coupure a été un petit peu... comment... J'étais arrivé par ici, puis ça a coupé. Hein, c'est saturation du disque dur, à force vous êtes habitué. Juste... J'ai pas de dalle sur moi. Bon, pas grave. Et je veux, c'est juste poser ça. Ouais, je pose ici. C'est bien ici. Hop, voilà. Comme ça, au moins, j'ai appuyé l'énergie stick même là-bas. Donc ici, on a quoi? On a... Donc ici, on a l'Interdiction Matrix. Donc classique, hein, avec l'anti-hostile module. Il fait 32 de rayon. Ce qui correspond à cette galette. Alors, je suppose que c'est un rayon, hein. Range pour moi c'est un rayon.
Donc voilà, donc est-ce que j'ai fait pour bien le visualiser, le rayon? Je me suis pas amusé à calculer un cercle dans Minecraft. Je me suis simplement mis un force field generator avec le mode sphère. Voilà. Donc ça va le vider très vite. J'étais obligé de remettre des drums ici de Fortron pour l'alimenter suffisamment longtemps. Mais normalement, il doit y avoir assez d'énergie pour que je vous le montre. Donc avec le module DOM, il est comment? Il est 32. Il est de 32 de rayon et j'étais obligé de mettre des spin modules pour qu'il se génère vite. Parce que sinon, avant que la sphère soit créée, ben, il était vide. Hop. Voilà. Et donc, vous avez le force field de 32. Ouais. Galère un peu ici. Ah, c'est du chargement. Voilà. Et donc, vous avez à peu près la taille. D'ailleurs, il faudrait que je mette la limite en haut. Voilà. Je mets une limite en haut. Voilà. Et vous voyez, le force field est déjà vide. Donc ça va très très vite, j'ai dû mettre deux drums à chaque fois pour que ce soit constant, enfin que ce soit constant, pas constant mais que ça dure, au lieu de durer 1 minute, ça en dure 3 quoi. Donc et pouvoir donc poser les dalles sur 2 étages. On va s'occuper de cet étage en bas. Alors, je sais pas en fait comment on va faire. Ici je compte mettre des machines. Que je peux pas mettre autrement, mais je vais bien voir. Et ici, on a tout ce qui est tout ce qui va être agriculture. Donc, on va voir quelques petits trucs sympas ensemble. En attendant, je vous fais juste rapidement le tour de ma ferme à arbres. Donc, on a ici un harvester, un fertiliseur. On en a qu'un. D'ailleurs, je devrais en mettre quatre. Je pense que ce sera beaucoup plus utile. D'ailleurs, à ce propos. Il faut que je me fasse un autocraft du fertiliseur. Voilà. Comme ça. Mais tranquille. Bon, donc voilà. Donc on a un seul fertiliseur. Je vais en mettre plusieurs. On a 4 harvesters au total. Et chacun est relié comme ça. Donc il y a l'énergie d'un côté, le fluide de l'autre et des golden transport pads derrière. Au milieu, j'ai fait un petit micmac avec un iron pipe pour dire que ça doit forcément aller dans cette direction-là. Hop, d'ailleurs, ça, c'est pas très utile. Voilà, donc les fluides, eux, ils vont dans ce. Donc le sludge hein, simplement va dans ces drums. Donc ici je me suis refait un cluster de stockage qui se remplit doucement. Pour le moment je le vide pas hein, parce que je dois attendre que tout soit plein pour être sûr du truc. Voilà, donc ça c'est fait par les harvesters qui récupèrent donc du sapling et du rubber. Enfin du oak et du rubber. Voilà. On récupère le sludge, on récupère tous les items. Et ici on a simplement un diamond pipe qui est configuré pour que dans le blanc, donc dans le planteur, le filtre blanc soit utilisé pour les saplines. Et j'ai mis le power fist ici parce que je suis sûr que ça passera pas. Rien ne repart dans le vert ni dans le orange. Comme ça, je suis tranquille. Et puis ça produit relativement massivement. Voilà, on a. Alors le oak, pour le moment, je le fais pas cramer, donc. Ah si, je dois le faire brûler en fait. Donc on a du charcoal qui augmente certainement. Ouais, on a du charcoal qui augmente. Mieux. Et puis donc le rubber. Alors le rubber, j'en avais besoin absolument
Parce que je me fais du plastique. Oups. J'ai trop de plastique d'ailleurs. Il y a un truc qui clash. Ouais, ici, j'ai oublié de dire réagit à la redstone. Et lui, c'est le charcoal. En soi, je devrais mettre une limite pour garder un petit peu de wack. Je vais mettre une limite pour garder un petit peu de wack en stock. Donc, c'est un émetteur qu'il me faut. Voilà. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est une ferme à graines. Je l'ai pas designé. Je vais voir. On va voir ensemble comment ça marche. Du oak. Non, pas ce oak là. Ah, bien sûr. Alors il me faut. Allez, je vais garder juste 1000 de bûches d'oak, ça devrait être suffisant. Donc si je suis en dessous, donc c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Donc si je passe au-dessus de 1000, il va m'envoyer donc du wack ici. Hop, voilà. Ok. Voilà, comme ça je vais garder quand même un petit peu de wack en stock. Bref, et donc on continue. Donc ici, il y a un tesseract qui est connecté à une nouvelle fréquence que j'ai appelée sludge simplement parce que ça va juste gérer le sludge. Ouh, c'est plein aussi ici. Non, tout ça se remplit tranquillement. Faut juste attendre un petit peu. Je sais pas lequel il remplit actuellement, mais il remplit. Alors, c'est envoyé ici. Donc je me suis fait simplement un petit périmètre de sécurité. Passer ce verre-là, en fait, je me prends du poison et du hunger. Bon, pour le moment, les machines ne tournent pas parce que j'ai coupé l'arrivée de sludge, donc je peux y aller. Rien de compliqué, hein. Ici, il y a juste le ressource. La fréquence ressource qui envoie de l'énergie et récupère les items. Donc la ressource, donc ressources et lave en fait sont connectées ailleurs, hein, donc évidemment l'énergie passe. Et ici simplement ben, j'ai le sludge qui envoie le fluide dans les machines, dans les sludge boilers. Et les sludge boilers ben, simplement me produisent des choses, soit qui sont recyclées par la suite, soit que je garde parce que c'est utile ou. Voilà. Vous savez tout. Donc là, il me reste qu'à activer le levier dans la ferme à. Ouais, du cluster, quoi. Du cluster de sludge. Et ces machines-là se mettent en route instantanément. Je n'ai qu'à baisser ce levier et donc les sludge boilers vont commencer à produire. Il y en a 10 de sludge boilers. Voilà. Non, j'ai fait un test rapidement. Eux n'étaient pas pleins à ce moment-là et la plupart se sont vidés. Alors j'espère quand même que j'ai pas fait ça à rien parce que si je consomme plus de sludge que j'en produis, ça sert à peu de choses en fait. Bon, ferme à graines. Donc on va déjà déterminer où on l'a fait. Donc normalement on va la faire ici. On va juste déterminer déjà des limites. Alors il va nous falloir des fences. Ça tombe bien, on en a. Alors des fences. Allez, on va prendre là. On va dire 3. Allez, on va dire déjà.
Qu'on va partir comme ça. Ensuite, on va dire à partir de 3 de la... Enfin, jusqu'à 3 de la ferme à arbre. Je garde toujours une marge de 3. Ça peut toujours... C'est histoire d'avoir quand même une marge. Et puis... Ouais, donc... 1, 2, 3. J'ai plus d'énergie dans ma power suite. Faire ça, on va laisser ça comme ça. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Bon, on va faire un carré, hein, simplement. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, ok. Et donc là, je peux raccorder les deux. Ouais. Moi, ça me convient. Allez. Ok, le milieu. On va prendre le milieu. Donc simplement, le milieu, ça a l'air d'être là. J'en ai 4 à droite, j'en ai 4 à gauche, donc c'est là. On va juste... Voilà, ici. 4 à gauche, ici, ici. Non, là. Et ici, c'est là. Ok. Donc là, je détermine que le centre, c'est pile poil ici. Donc ici, on va mettre un autospawner. Ok. Donc ici, on a un autospawner. On va prendre de la dirt. Très peu d'énergie, mais c'est suffisant. Hop. Bon, ça, si je peux. Bon, ça va falloir que je le laisse de toute façon. Ok, hop. Et voilà, hop, il ne me reste plus qu'à réélever un petit peu les barrières. Et normalement, ça devrait être bon. Alors, on va... donc, défense, toujours. Encore et toujours, il va m'en manquer. Mon Power Fist, il va bientôt se vider aussi. Comme ça va être génial. Voilà. De toute façon, je retourne dans ma base pour aller chercher ce qu'il me faut. Alors, je sais pas s'il leur faut des graines d'emblée. S'il leur en faut, ben, je leur en donnerai. Mais ce qu'il me faut, c'est cette belle créature. Non, pas celle-là. Celle-là. Oh, je vais le laisser ça là, tiens, c'est pas mal. Hop.